Bonjour. Univers Nature vous propose aujourd'hui la difficulté d'insomnie. Le problème de la difficulté à dormir est l'un des problèmes les plus difficiles qui affectent la santé humaine, et certains pensent que l'achèvement de leur travail et de leurs activités quotidiennes est beaucoup plus important que le sommeil, et la vérité est le contraire. Comme l'irrégularité du sommeil affecte la nutrition et la santé de notre esprit. Apprenons ci-dessous les causes de la difficulté à dormir, les types d'insomnie et le traitement de la difficulté à dormir avec des herbes. Type de difficulté d'insomnie. La difficulté à dormir est l'incapacité de la personne à dormir et à se réveiller pendant de longues périodes pendant la nuit, ce qu'on appelle l'insomnie, et il existe trois types d'insomnie, ce sont 1. Insomnie occasionnelle. C'est l'insomnie résultant de l'exposition de la personne à certains problèmes ou difficultés qui entravent sa réflexion et qui entraînent des difficultés à dormir. 2. Insomnie aiguë à court terme. C'est la difficulté d'une personne à dormir pendant de longues périodes, qui peuvent être des semaines ou des mois, et le sommeil est intermittent toute la nuit. 3. Insomnie aiguë chronique. C'est l'un des types les plus dangereux de troubles du sommeil insomnie car il dure de nombreuses années et cela affecte grandement la santé humaine. Cause d'insomnie. 1. Stress et troubles psychologiques. La personne qui est exposée aux pressions familiales ou communautaires fait partie des personnes qui souffrent du problème de la difficulté à dormir, en raison du grand nombre de réflexions sur ces problèmes, et certaines refusent d'aller voir des psychologues par peur des ragots de son entourage. Ce qui les pousse le plus vers la dépression pathologique. 2. Raisons comportementales. Il existe certains comportements que les gens adoptent sans avoir le sentiment d'être la principale cause de troubles du sommeil, insomnie, comme le tabagisme, la consommation de stimulants tardifs et la consommation de boissons alcoolisées. De plus, vivre dans des endroits avec des bruits forts et le problème de ne pas organiser le temps de sommeil est l'un des problèmes les plus courants provoquant l'insomnie. Parce que le manque de régulation de l'horloge biologique humaine entraîne d'autres problèmes tels que le manque de confort dans le corps, une sensation de léthargie et de paresse, et un manque de concentration. 3. Cause pathologique organique. Lorsqu'une personne souffre de certaines maladies telles que le cœur, cette maladie provoque un essoufflement entraînant des troubles du sommeil, des douleurs articulaires, des maladies digestives et des maladies respiratoires. Toutes ces maladies provoquent beaucoup de douleurs qui provoquent chez une personne une sensation d'inconfort et donc une insomnie et des difficultés à dormir. Traitement de la difficulté à dormir avec des herbes. 1. Racines de valériane. Les racines de valériane, appelées valériane, sont des herbes utilisées pour traiter le stress et l'anxiété, et une cuillère à café de poudre de valériane peut être placée sur de l'eau bouillante puis filtrée, et elle est prise avant le coucher pour se détendre en peu de temps. Mais elle a des effets secondaires. Il n'est pas recommandé pour les enfants et les femmes enceintes. 2. Camomille. La camomille est l'une des meilleures herbes recommandées pour traiter le problème de la difficulté à dormir, et le thé à la camomille est préparé en plaçant une cuillerée de thé sur une tasse d'eau bouillante et en le laissant pendant 20 à 30 minutes. Et il peut être pris une demi-heure avant le coucher, et vous dormirez et vous détendrez en peu de temps. 3. Avoine. C'est un glucide complexe, qui agit sur la production d'insuline en grande proportion dans le sang, et produit également l'hormone mélatonine, qui joue un rôle important dans le traitement des troubles du sommeil insomnie. Vous pouvez préparer une boisson à l'avoine en plaçant une cuillère à soupe avec de l'eau bouillante et la laisser pendant 30 minutes, puis filtrer et la prendre pendant la nuit avant le coucher, une demi-heure. Ou elle peut être consommée comme repas en y ajoutant du lait chaud avec du miel avant de vous coucher, et vous remarquerez que vous vous détendez en peu de temps. 4. Thénaridine. Le thé à la valériane est l'un des hypnotiques naturels qui aide le corps à se reposer et à se détendre, et c'est un traitement efficace pour les difficultés à dormir, insomnie. Et une quantité suffisante de feuilles de thé à la valériane est placée dans un bol d'eau froide et laissée pendant 6 heures, puis placée à feu doux jusqu'à ébullition, et boire avant de dormir. 5. Anis. L'anis donne aux corps humains une dose supplémentaire de repos et de calme, c'est l'une des herbes qui vous garantissent un sommeil calme et confortable, et buvez de l'anis bouilli la nuit une heure avant le coucher, et vous pouvez ajouter un peu de lait pour un goût distinctif. Et du miel y est également ajouté pour améliorer les bienfaits et obtenir un sommeil profond sans difficulté. Top 5 des moyens d'aider les bébés à dormir. Convaincre un enfant de s'endormir peut être une affaire très difficile, et de nombreuses études ont récemment montré qu'un nombre croissant de jeunes souffrent de problèmes de sommeil, du fait de la navigation sur Internet avant de s'endormir. Dormir la nuit, nous l'examinons pour vous comme suit. 1. Dites non aux appareils électroniques. Le nombre de jeunes de moins de 16 ans ayant reçu un diagnostic de trouble du sommeil a considérablement augmenté au cours des dernières années, et les adultes peuvent aider à résoudre ce problème en s'assurant que les enfants n'utilisent pas d'appareils électroniques juste avant de se coucher. La lumière bleue émise par les écrans de ces appareils a un effet négatif sur le sommeil de l'enfant, car elle affecte les niveaux de mélatonine, l'hormone du sommeil. L'éclairage dans la chambre d'un enfant peut également affecter la qualité de son sommeil. Il est préférable d'acheter une veilleuse qui a été scientifiquement conçue pour aider les enfants à s'endormir. 2. Déterminer une heure pour dormir.
Les enfants peuvent avoir du mal à s'endormir s'ils dorment à des heures différentes chaque nuit, c'est pourquoi il est important de définir une heure pour les suivre strictement. En fixant l'heure de sommeil de votre enfant chaque nuit et en lui faisant prendre conscience de l'heure dont il a besoin pour dormir, cela finira par devenir une habitude. Les experts recommandent que la période de sommeil varie de 9 à 16 heures par jour pour les jeunes enfants, de 8 à 14 heures de sommeil pour les enfants d'âge préscolaire, de 7 à 13 heures de sommeil pour ceux âgés de 5 à 11 ans et de 6 à 12 heures de sommeil pour les adolescents. 3. Créer un environnement paisible. Une des façons de créer un environnement paisible pour votre enfant est de l'encourager à utiliser son imagination avant de se coucher, ce qui peut à son tour l'aider à se livrer à un sommeil paisible. Interrogez votre enfant sur ses vacances ou son lieu préféré dès qu'il s'installe et se détend au lit avec les lumières éteintes, cela ramènera des souvenirs heureux et des sentiments positifs. Une autre façon de le faire est de demander à votre bébé de faire des activités apaisantes avant de se coucher, comme prendre un bain confortable. 4. Faites attention à ce qu'il mange. Il n'est pas recommandé aux enfants de prendre des collations sucrées avant le coucher, car cela peut entraîner une augmentation soudaine de leur niveau d'énergie. Cependant, les aliments sucrés ne sont pas les seuls types à éviter avant de se coucher, et il y a une certaine vérité dans le dicton bien connu selon lequel manger du fromage avant de se coucher peut conduire à des rêves désagréables. Et il est préférable de manger des collations telles que des toasts à grains entiers, des pommes ou des biscuits environ 45 minutes avant le coucher. Dormez pour qu'il ne s'endorme pas affamé ou hyperactif. 5. Un lit confortable est le secret. Si votre enfant souffre fréquemment de problèmes de sommeil pendant la nuit, cela peut être dû au matelas. Le type de matelas dont l'enfant a besoin pour dormir confortablement peut différer du type dont un adulte a besoin, et de nombreux adultes préfèrent un matelas moelleux ou moyen. Mais les bébés devraient dormir sur un lit plus durable, car leur corps en développement a besoin de plus de soutien. Faites attention à l'épaisseur de l'oreiller, afin qu'il ne soit pas trop épais. La posture de sommeil affecte directement la santé humaine. Le sommeil affecte directement la santé d'une personne et ses systèmes vitaux, car il y a des positions qui nuisent à la santé du corps, alors qu'il y en a d'autres qui sont utiles et vous garantissent un bon sommeil. La meilleure position de sommeil se trouve sur les côtés droit et gauche, et le pourcentage de ceux qui adoptent cette position atteint 40%, et la majorité d'entre eux sont des femmes. Les spécialistes disent que dormir sur le côté gauche permet d'améliorer la digestion des aliments. La pire position de sommeil, dormir sur le ventre, car elle augmente les maux de dos et peut involontairement endommager sa colonne vertébrale. La position de sommeil affecte également l'abdomen au niveau du cou et des articulations, provoquant une sensation désagréable de paresthésie et de picotement, ce qui est particulièrement dangereux pour les femmes enceintes car il provoque des difficultés à respirer, qui se reflètent dans le fœtus, un manque d'oxygène et de nombreux problèmes de santé. Les médecins et les spécialistes conseillent de se débarrasser de cette mauvaise habitude en dormant sur des matelas moelleux et des oreillers gonflés et en pratiquant des exercices de yoga. Le manque de sommeil pouvait entraîner un diabète de type 2 et une maladie du foie. Au cours des expériences menées par les chercheurs sur deux groupes de souris de laboratoire, le premier groupe a été privé de sommeil la nuit pendant 6 heures, et le deuxième groupe dormait normalement. Les souris des deux groupes étaient bien nourries. Les scientifiques ont indiqué que le niveau de sucre a augmenté chez les souris du premier groupe au cours de l'expérience, ce qui a affecté l'hormone insuline et augmenté le risque de développer un diabète de type 2, selon l'American Journal of Physiology. Les chercheurs ont souligné que les souris commençaient à manger beaucoup et ne contrôlaient plus la quantité qu'elles mangeaient, et qu'il en résultait des signes de perturbation du métabolisme et l'émergence d'un risque d'obésité et de maladie du foie. Le manque de sommeil entraîne un rythme cardiaque irrégulier. Le manque de sommeil est une indication d'un risque accru de rythme cardiaque irrégulier. L'équipe de recherche s'est appuyée sur trois ensembles distincts de données pour évaluer l'association entre le sommeil et l'arythmie, qui comprennent une étude de Health Data et une Cardiovascular Health Study. Les auteurs de l'étude ont utilisé les informations de la base de données Healthcare Cost and Utility, qui est la source la plus complète d'Amérique, sur les soins hospitaliers, y compris des informations sur l'hospitalisation et la chirurgie. Mobile, visite de service et rencontre à l'urgence, de 2005 à 2009, afin de diagnostiquer les causes et les conséquences de l'insomnie. Les chercheurs ont découvert que 526 des 4552 participants à l'étude souffraient d'un rythme cardiaque irrégulier et ont rapporté dans leurs réponses qu'ils se réveillaient fréquemment la nuit, tandis que 5703 de l'étude ont rapporté qu'ils se réveillaient la nuit. À plusieurs reprises, l'étude a estimé, en revanche, que le pourcentage de leur souffrance d'arythmie était de 33%. Les chercheurs ont conclu qu'un mauvais sommeil entraînait un rythme cardiaque irrégulier, et ils ont conseillé d'améliorer la qualité du sommeil afin d'éviter cela. Merci pour votre visite.